Vroom! Coucou papa! Bonjour ma chérie, voici des bonbons. Oh merci! Je boirai bien du jus de fruits. Gentille fille. Nom de... Ça va, ça va. Oh, désolée ma chérie. C'était mon camion préféré. Je sais. Oh, papa sait comment réparer ça. Il me faut cette brique. Je retire le bouchon en plastique. J'enfonce un pic à brochette dans le bouchon, puis je glisse une paille sur le pic. Je mets ensuite un bouchon à l'autre extrémité de la brochette pour faire des roues. Ensuite, je prends la brique de jus et je mets de la colle dessus. Nous avons juste besoin d'en faire une ligne qui traverse la brique. Une fois que c'est fait, je colle les roues dessus. J'ajoute un deuxième essieu à l'autre côté de la brique. Maintenant, je prends un ballon et je mets une paille dedans. Je le fixe sur la paille avec un élastique. Et je colle le tout sur la brique. Regarde ce que j'ai fabriqué. Qu'est-ce que c'est? On va faire la course. Regarde, prends ceci. Waouh! Si on souffle dans les ballons, ils vont faire rouler nos camions. Prête? Regarde les filets! J'ai gagné! Merci, papa! Voilà, je t'ai préparé un bon goûter. Non, ce n'est pas bon! Je veux un hamburger! Oh là là! Tu n'auras pas de hamburger. Tu dois manger ça. Vas-y, goûte! Je sais que tu vas aimer. J'ai dit non! Je veux un hamburger! Il va falloir ruser. Regarde, voilà l'avion! Il arrive! Ouvre vite la bouche! Allez chérie, tu adores les pommes! C'est ton fruit préféré! Que dirais-tu de cette délicieuse barre chocolatée? La voilà! Oh, j'adore le chocolat! Oui, j'en veux! Il arrive! Non, j'ai dit pas de pommes! Ok, essayons ça! Regarde qui est là, Annie! C'est Monsieur Nounours! Il est venu te voir! Tiens, fais-lui un câlin! Thank you. Parfait! Elle est distraite! Je vais essayer d'en profiter! Hein? Non! J'en veux pas! Oh, j'arrive au bout de mes limites! Oh, je dois trouver quelque chose! Elle veut un burger? Je sais! Elle ne pourra pas me dire non cette fois! Je vais lui faire un burger de fruits! La pomme remplacera le pain, le kiwi la salade. Une tranche de pêche fera la viande. Et des tranches de fraises et de bananes feront la garniture. Et les pommes feront office de frites. Chérie, je t'ai fait un bon hamburger, comme tu voulais. Oh, un hamburger, il n'y a que pour moi? Avec des frites? J'adore les frites. Oui, je mange un hamburger. Miam, il est trop bon. Tu es mignonne. Heureusement que je n'ai pas les mains qui tremblent. Ça chatouille. Et voilà, fini les poils de nez. Il faut que tu m'aides. Viens t'asseoir. Mes cheveux sont tout emmêlés. C'est le cas de le dire. Je peux faire quelque chose? Oh, je crois que j'ai quelque chose. Je vais me servir de ça. Peut-être plus tard. Reste assise. Je sais ce que je fais. Tu en es sûre? Tu ne me mettras pas ça sur la tête? Très bien, on va y aller à l'ancienne. Qu'est-ce que tu as fait? Mes beaux cheveux! Non, ne me touche pas! Non, je ne te laisserai pas me couper les cheveux! Ne t'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il faut. Fais-moi confiance. Ah d'accord, je préfère ça. Je vais passer une mèche dans l'appareil à l'aide du crochet. Voilà, comme ça. Oh! Puis je l'allume. Je le fais glisser le long de la mèche. Et l'appareil va tresser une ateba. Bien, faisons l'autre côté. C'est rapide et facile. Et voilà, c'est fini! Waouh! C'est très joli! J'adore! Merci beaucoup! Ne me remercie pas. Remercie plutôt l'appareil. Hein? Qui est ce beau garçon? Salut, beauté! Alors, chérie, on va visiter ta nouvelle salle de jeu. Plutôt sympa, hein, non? Dis donc, il y a plein de choses là-dedans. Oh, oula, il y a aussi beaucoup d'endroits dangereux ici. Non, chérie, tu restes là. Là, ne bouge pas. Papa va tout protéger. Il faut que cette pièce soit sans danger. Je vais recouvrir tous ces angles pointus. Comme quoi, le scotch peut être bien utile.
Phew, c'est bon. Je crois que tout est protégé. C'est beaucoup d'efforts. Alors, chérie, tu veux jouer maintenant? Ah! Aïe! Aïe! Je suis tombée! Ouais, on peut jouer! Attends, ne bouge pas! Oh, c'était moins une. Il faut encore que je scotche 2-3 trucs. Je vais juste coller une bande ici. Et maintenant, je peux coller le tapis dessus. Voilà, comme ça, il ne bougera plus. C'est bon. Tu peux aller t'amuser. Ouais, une salle de jeu. Phew. Vroom. Vroom. Alors, est-ce que j'ai pris assez de jouets? Oh, j'allais oublier ça. Et mon livre. Et les lingettes au cas où ils se salissent. Oh, je n'ai plus de place. Allez, rentrez, j'ai besoin de vous. Super, et maintenant? À quoi joue-t-il? Ah ah! Hé, maman, c'est à moi! Je vais retirer ce jouet de la boîte et je mets quelques lingettes humides à la place. Ça fait une petite boîte, mais ça dépanne. Voilà, ça devrait suffire. Au moins, ça ne prend pas de place. Hé, maman, regarde ce que je fais. Je suis une chips. Oui, c'est très chic. Bravo. Attends une seconde que je prenne une lingette. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Et voilà, je vais te nettoyer la figure. Voilà, tu es tout propre. Ah, quel bel après-midi. Oh là là! Regarde, chérie, des canards! Maman! Tu m'as tout fait renverser! Oh, pardon, c'est pas grave. Attends. Regarde, j'ai mes lingettes. Et voilà, j'ai tout essuyé. Te voilà tout propre. Et prends cette pomme au lieu du coca. Vroom! Bip bip! Attention, je passe! Gouah! Le camion dino va te manger! Gouah! Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie? Je t'ai posé une question. Oh mon Dieu, tes mains sont toutes sales. Heureusement qu'il me reste une lingette. Laisse-moi t'essuyer les mains. Il va falloir frotter. Et voilà, tu as les mains propres. Merci maman, tu es la meilleure. Oh, bonjour, princesse. Elle est trop mignonne. Je vais la garder pour plus tard. J'ai faim. Papa, j'ai faim. Oh, d'accord. Tiens. C'est bon, j'ai fini. C'est trop bon, le chocolat. Ah oui, ma sucette. C'est tout dégoûtant. Ma sucette est fichue. Oh là là. Ne t'inquiète pas. En voilà une nouvelle. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Ça colle parfaitement. Regarde, voilà une toute nouvelle sucette pour toi. Tiens, tu prends celle-là. Phew. Je vais garder celle-là pour plus tard. Je vais jouer avec mon ballon de plage. Sacré virée shopping. J'ai acheté tellement de choses. Dépenser autant d'argent m'a donné soif. Allez, viens par là. Oh, presque. Ouf, je tiens. Oh, c'est pénible. Besoin d'un coup de main? D'où est-ce que tu viens? Regarde un peu ça. Hé, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'adore faire affaire avec toi. Oh, j'ai hâte de l'essayer. Où est-ce qu'elle est passée? Peu importe. Bien, voyons voir. Je l'ouvre et je le colle sur mon pull. Maintenant, je ramasse mes affaires. Waouh, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Enfin, je mets mon soda dans le porte-gobelet. C'est tellement plus pratique. Allez, je peux le faire. Prépare-toi à perdre, Cheryl. Ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça. Regarde tous ces jouets. Je les veux tous.
Ils sont à moi. Prête? Go! Oh, c'est dur! Oh, est-ce que j'ai gagné? Je n'en sais rien. Heure du déjeuner! Qu'est-ce que je vais manger? Des Frosties, mes préférés! Hé, grand-mère! Oh, tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. Je suis vieille, tu sais. Désolée. Regarde cette pagaille. Je ne voulais pas. Je suppose que je vais devoir nettoyer tout ça. Quel gâchis. Je suis vraiment désolée. Laisse-moi me rattraper. Mais comment? Je sais. Replie les côtés de la boîte de Frosties. Serre bien la boîte. Tiens, grand-mère, les Frosties ne se renverseront plus. Magnifique! Regarde-moi ça. Laisse-moi essayer. Un pli par-ci, un serrage par-là. J'ai fait ça comme il fallait. Oui, maintenant donne-moi mes chips. Pas si vite. Grand-mère doit manger. Quelle journée! Allons voir maman. Bonjour. Tu as passé un bon moment à l'école? Vos chaussures. Vous les avez inversées. Hé, maman! Bonjour, Trésor. Je me suis ennuyée à l'école, maman. Et moi, au travail. On mange quoi ce soir? Phew. Bon, vous êtes à la maison maintenant. Retirez vos chaussures et allez jouer. Youpi! Je vais dessiner. Il faut une solution rapide. Je sais exactement quoi faire. Retire les semelles inférieures des chaussures. Imprime un personnage de bande dessinée sur le papier et coupe-le en deux. Applique de la glue sur l'autre côté du papier. Ensuite, colle la partie gauche de l'impression sur la semelle de gauche. Fais la même chose avec la semelle de droite. Mets les semelles dans les chaussures adéquates. Maintenant, tu peux faire la distinction entre la gauche et la droite. Pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors? Ouais! Maman, il y a un lapin dans mes chaussures, mais il a l'air drôle. C'est mieux! Waouh! C'est tellement simple! Tu l'as fait, chérie! Bonne fille! Il y a quelque chose qui cloche. Attends, je comprends. Mes chaussures, elles me regardent. Si je... Peut-être que je pourrais... C'est délicat! J'ai trouvé! Si je place celle-là ici, facile! C'est pas passé loin! J'ai failli paraître ridicule! Voilà, beaucoup mieux! À bientôt, maman! Je suis tellement chanceuse d'avoir une famille si charmante! Idiote, mais charmante. J'ai tellement soif, j'ai envie d'une boisson. Je vais boire ce coca rapidement et ensuite aller en cours. Je vais le prendre avec moi. Oh non, je ne peux pas entrer avec une boisson ou de la nourriture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la mettre dans mon sac. Attends une minute. Un crayon? Un cahier tout mouillé? Mon cahier! Mon coca! Quelle mauvaise idée! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin de ça! Waouh! Quelle prise! C'est un déchet étrange. Peut-être que je peux utiliser cette bouteille. Ça fera l'affaire. Prends une bouteille vide et coupe le dessus. Place le haut de la bouteille sur une canette de coca. Une canette de coca avec un bouchon à vis pour ne pas que ça se renverse sur mes livres. Je ferai mieux d'aller en cours. Je vais pas être en retard. Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud. J'ajoute le lait. Ça sent vraiment bon. Chérie, ton chocolat chaud est prêt. Merci, maman. Pile ce qu'il me faut. Tu peux prendre des gâteaux aussi. Aïe! Trop chaud! Trop chaud! Ça brûle! Ah non! Oh non! Pardon! Que faire? Ne bouge pas, ma chérie! Ne bouge pas! Maman va régler ça! Vite, maman! Ça fait trop mal! Ces glaçons vont te faire du bien! Ne t'inquiète pas! C'est mieux? Ah! Ça fait du bien! Ouf! Merci! Ce bac à glaçons pourrait servir. J'ai une idée. Verse du cacao en poudre dans un récipient d'eau. Mélange bien. Il faut que toute la poudre soit dissoute.
Verse le mélange dans un bac à glaçons. Et mets-le au congélateur jusqu'à ce que ça prenne. Tu veux un chocolat chaud? Quoi? Non! Tout, mais pas ça! Oh toi, ne sois pas bête! Regarde, je vais remplir cette tasse de lait chaud. Ensuite, je vais mettre un glaçon de chocolat. Regarde comme ça fond! Il faut juste que je mélange. Goûte ça! Ça va être à température parfaite, je te le promets. Si tu le dis... Oh, tu as raison! C'est trop bon! Merci, maman! Nouvelle boucle d'oreille! Waouh! Des étoiles! Trop bien! J'aimerais avoir des boucles d'oreilles aussi belles que celle-ci. Au revoir! Au revoir! C'est pas juste! Je n'ai jamais de trucs chouettes! Au moins, ce bonbon m'aidera à me sentir mieux. Attends, ce bonbon me donne une idée. Ça devrait fonctionner. Je pense que ça a l'air pas mal. À qui vais-je faire croire ça? J'ai juste collé des bonbons à mes oreilles. Bonjour, chérie. C'était comment à l'école? Papa, je veux de belles boucles d'oreilles. Ne t'en fais pas, papa est là. J'ai juste besoin de ces marqueurs et de cette perforatrice. D'abord, prends un récipient alimentaire et dessine des fruits dessus. Coupe les formes avec précaution. Utilise la perforatrice pour créer un trou dans le plastique. Pose-les sur un plateau et mets-les au four. Quand ils ont diminué de taille, retire-les du four. Enfile un crochet de boucle d'oreille à travers le plastique. Quelle jolie boucle d'oreille! Ta-da! Voilà! Trop bien! J'ai hâte de les porter! C'est très difficile de choisir quoi porter. Les cerises! Elles sont parfaites! Merci, papa! Tiens, prends ça! Tu le mérites! Je trouve que ça me va à ravir! C'est vraiment ta sortie à mes yeux! Hé! Hey, bel homme! Comment c'est possible que quelqu'un ait autant de pop-its? J'apporte le reste. Je crois qu'ils sont tous là. Oups, j'ai failli oublier. Avec les autres, je vais le recouvrir. Je crois qu'on est paré. Tu peux entrer. Mais non, c'est quoi ça? Il y a tellement de pop-its. Tu vas avoir besoin de ces lunettes. Merci. Alors, trouve l'intrus. C'est parti! C'est génial! L'heure tourne! Vite, allez! Oh, c'est une course! Il doit être là quelque part! Allez, allez, allez! Je ne trouve pas! Attends! C'est bon, maman, je l'ai! Ça, c'est ma fille! Bien joué! Je suis trop fière de toi! Allez, on peut s'amuser! Tu es la meilleure maman! Dis donc! Regarde ça! Je veux être basketteuse professionnelle quand je serai grande! C'est quoi tout ce boucan? Mamie essaye de dormir! Regardez-moi sa chambre! C'est le bazar! Je regarde la télé! Bon, je ne comprendrai jamais les jeunes de nos jours! Pas grave, je vais ranger! Quand je vais dire ça à ta mère... Oh! Oh non! Non! Aide-moi, ma chérie, s'il te plaît! Attends! C'est quoi, ça? Je sais comment l'inciter à ranger sa chambre. Je vais accrocher ce panier de basket sur le mur, au-dessus de la caisse à jouer. Regarde ça! Tu veux... Comment on dit de nos jours? Tirer quelques paniers? Trop bien! Allez! C'est rentré! Je veux recommencer! Et voilà, mamie n'a plus à ranger. Hop! Achoum! À mes souhaits. Oh, des bonbons! Je vais me faire plaisir, même si ce n'est pas raisonnable. Mes dents, elles ont disparu. C'est trop bien, regarde mamie. Non, mon
monde entier. Elles y sont bien toutes. Je t'en prie, mamie. Je déteste être malade. Mon pauvre petit bonhomme, tu es brûlant. C'est pas bon signe. On va te remettre sur pied. Je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que c'est? Je plaisante, j'ai besoin de ça. C'est encore une blague. Voici ce dont tu as besoin. Mais j'aime pas ça. C'est caca. Mais tu dois guérir. Ouvre grand. Non. Ah! Maman, j'ai dit non. Oh. Regarde, maman. Je veux du coca. Je crois que je sais comment te faire prendre ton sirop. Récupère une canette de coca vide. Ouvre-la. Place le flacon de sirop pour la toux dedans. Referme la canette. Et mets une paille à l'intérieur. Voici un coca, mon chéri. Bois-le. Merci, maman. Gentil garçon. Ça sent bizarre. Mais j'aime bien. Tu t'amuses bien? Quel garçon intelligent! Hein? Il est passé où? C'est un bébé, il n'a pas pu aller bien loin. Où es-tu? Aïe! Il y a trop de jouets partout. Je ferais mieux de ranger. Tu es là-dedans? Je t'entends. Pourquoi est-ce qu'il est si fort à cache-cache? Tu es peut-être dans ce placard? Stop! Ne t'enfuis pas! Enfin, tu es là! Un câlin, maman! Il faut qu'on t'empêche de t'enfuir. Pour ça, ce parc va être parfait. Essaye un peu de t'enfuir maintenant. J'aurais dû y penser plus tôt. Et maintenant, je peux reprendre ma lecture. Ça fonctionne à merveille. C'est la mienne! Tu es folle, c'est ma coque qui est la plus belle. La mienne! Non, la mienne! La mienne! La mienne! La mienne, la mienne! Salut, vous! Il faut que je change de place. Ah, bon, je vais sortir mes affaires. Vous êtes encore en train de vous disputer? Regarde ça, c'est mignon! Jamais de la vie, la mienne est la meilleure, elle gère! Ma coque est assez banale. Oh, cette coque popite me donne une idée. J'ai juste besoin de peinture et de cette coque. Verse de la peinture sur une partie du popite. Comme ça. Utilise des couleurs différentes pour chaque section. Une fois que c'est fait, mets la coque à ton téléphone. Attends que la peinture sèche et retire la coque. Dis donc, ça a super bien marché. Regardez ça. Dis donc, ces belles couleurs. Fais ça sur le mien, s'il te plaît. Non, sur le mien, je ferai tes devoirs. Non, moi je les ferai. Aïe, c'est quoi tout ce désordre? Coucou maman, je sais. Je dois sortir, mais je veux que cette pièce soit propre quand je reviendrai. Mais... Ok. Nanana, c'est la plus grande tour du monde. Oh non! Maman est de retour! Je dois vite faire quelque chose! Cet aspirateur devrait m'aider! Une chaussette? Hé! Ça devrait marcher! Je mets la chaussette dans le tube de l'aspirateur. Puis je n'ai plus qu'à aspirer les Legos! Ça va super vite! Et ils ne sont pas perdus! Tout ce qu'il me reste à faire, c'est ressortir la chaussette! Waouh! Ça fait beaucoup! Je dois vite cacher ça! Bon travail! Hein? Oh oui! Tu as mérité une récompense! Merci! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux que vous dessiniez le soleil! Oui, madame! J'ai hâte! Hein? Oh non! J'ai pris la mauvaise trousse avec moi! Trop nul! Oh, je n'ai que des feutres! Bon, je peux quand même tracer un cercle. Oh! Satané cercle! Tu as cru que tu pouvais tracer un cercle comme ça?
Quelle naïveté! Je sors mes outils spéciaux. Ah, ah, mon précieux compas. Et mon crayon préféré. Ils vont si bien ensemble. Regarde ça! Tu vois? Un cercle parfait! Mais non, c'est incroyable! Je peux te l'emprunter? Mon précieux, jamais de la vie! Oh! Oh, c'est pas juste! Moi aussi, je veux tracer un cercle parfait! Qu'est-ce que je peux faire? Si j'utilise ça avec un peu de ça et une touche de ça? Eureka! J'ai trouvé! Ma main! Ma main peut me servir de compas! Ingénieux! Je vais poser ma main sur la feuille en tenant mon crayon. Ensuite, je vais faire tourner ma feuille sans bouger ma main. Comme ça. Ça marche! Trop bien! Un cercle parfait! Super! Maintenant, j'ajoute les dernières touches à mon soleil. Le temps est bientôt écoulé. Quelques traits en plus, ici et là. C'est fini! Faites-moi voir vos dessins. Oui, madame. Tada! Exactement comme le vôtre. J'ai fini! Les deux sont très beaux, mais il y en a un qui est largement devant. Bravo, Mandy! Hein? Comment tu as? Oh. Oui! Merci, madame! Mon petit déjeuner est prêt! Salut, maman! Oh, bonjour, mon chéri! Je vais te préparer un bol de tes céréales préférées. Ah, pile ce dont un garçon en pleine croissance a besoin. Et le lait, bien sûr! Mange bien tout! Des céréales? Burk! Pourquoi est-ce que je m'embête? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un bon bol de fruits! Ça fera l'affaire! Allez! Oh, du chocolat! J'en veux! Mange ces fruits! Des fruits? Mais c'est nul, ça! Je préfère du chocolat! Et nettoie ton visage! Des verres en bonbons! Comment est-ce que... Mais où est-ce que... Ah, oublie! Donne-moi ça! D'accord! Ça va directement à la poubelle! Oh, je fais de mon mieux pour lui! C'est quoi, ça? Oh, ça me donne une idée! Verse de la compote de fruits dans un moule! Utilise différents types de fruits, comme des pommes et des fraises! Quand le moule est rempli, plante des bâtonnets de bois dedans! Mets le tout au congélateur en attendant que ça prenne. Démoule et mets-les dans un plus grand moule. Verse du lait sur les sucettes jusqu'à tout recouvrir. Remets au congélateur. Recouvre le tout de chocolat. Et ajoute des vermicelles. Des sucettes de petit déjeuner saines et nourrissantes. Tu ne veux ni céréales ni fruits. Alors, goûte ça. Oh, c'est vrai! Incroyable! C'est le meilleur petit-déj de ma vie. C'est trop bon, maman! Tout le monde, donnez-moi vos devoirs. Oui, monsieur. Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh non, c'est fichu! Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Regarde ça! Parfait! Oh! Bien! Mathieu, apporte-moi ton devoir, s'il te plaît! Oui, monsieur, pas de problème! Ah, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, je gère! Il faut juste que je l'aplatisse! Mandy, peux-tu m'apporter le tien, s'il te plaît? Oui, monsieur! Oh, il ne va peut-être pas remarquer! Tenez, monsieur! Voyons voir! Qu'est-ce qui est arrivé à ce torchon? Oh non! Tiens, reprends ça avec toi. Oh. Il me faut plus de papier. Hein? Il n'y en a plus? Attends une minute. Ça me donne une super idée. Pour commencer, j'ai besoin du rouleau vide. Une paire de ciseaux va m'être utile. Je vais simplement couper au milieu ici. Et maintenant, la meilleure partie, la décoration. Voilà, le parfait repose-devoir. C'est trop beau! Enfin, sans vouloir me vanter. Voilà, monsieur, mon travail. Oh, pas trop tôt. Oh, oh, regardez-moi ça. C'est très joli. Merci, monsieur. Pfiou.
En plus, j'adore les autocollants. Et regardez ça. Ce devoir est parfait. Beau travail. Je vais lui donner un grand A+. Oui, merci, monsieur. Je t'en prie. Je veux que tous les autres devoirs ressemblent à...